Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce vendredi 10 avril 2020, il est actuellement 11h52 sur notre belle Luxine. Flûte alors, je crois qu'il n'y a vraiment rien de neuf aujourd'hui. Ah oui, est-ce que vous avez regardé le documentaire d'hier soir à la télé? Il s'intitulait Snowboard, la rétrospective. Figurez-vous qu'il m'a appris quelque chose d'important. À savoir que c'est le genre de sujet qui m'endort dès la première minute. Oulala, me revoilà qui ennuie tout le monde avec mes histoires de télé, pardonnez-moi. Sur ce, je retourne à mes activités afin que chaque instant que vous passiez sur cette île soit enchanteur. Merci Marie pour ces très amples informations. Et bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est NekMao33 pour le 24e épisode de notre Let's Play d'Animal Crossing New Horizons. J'espère que vous allez bien. Ça fait deux jours hein, qu'on est sur cette intro, sur cette intro-là. Combien on a gagné? 5000, ah oui, c'est vrai. Pas ouf, hein, pas ouf. 5000 barres là. Ah, vous l'apercevez en fond? J'ai refait le petit parc cette nuit. Le plaisir est là. Alors, Gulliver, qu'est-ce qui nous a donné? Grâce à ton aide, j'ai retrouvé mon bateau. Quand je suis monté à bord, les gars m'ont accueilli en roulant des yeux et en soupirant. Quel blagueur! J'espère que ce petit souvenir te plaira. Oui, peut-être. Ouais, non, je veux le jeter par contre. Ça, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'on avait acheté hier? Je me souviens plus. Bon, on va voir si on a eu une déception ou non au niveau des prix du navet. Je rappelle que hier on a vendu nos navets, tous nos navets, à 160 clochettes pièces. Et il y avait 50% de chance que le prix fluctue encore aujourd'hui. Et on a pris le risque de les vendre. Comment ça, j'ai aucune chance d'enregistrer parce que j'ai pas ouvert le colis Amazon. Je sais plus si j'avais donné une carpe coil au musée. Elle est où par Kiki? Ah oui, c'est celle-là, d'accord. Ok. J'ai arrêté la musique. Ah non. Je me disais, bon, elle met un petit peu de temps à démarrer. Is ok. Très bien. Donc oui, j'ai construit le parc la nuit dernière. Enfin, je l'ai refait quasiment à l'identique. Ah oui, il fallait que je me fasse une canne à pêche. J'avais pas fait. Voilà, j'ai juste changé 2-3 trucs. J'ai mis le cheval là, je l'ai déplacé ici et j'ai rajouté un jeu pneu. Sinon le reste c'est pareil, mis à part que là voilà, j'ai mis des motifs de terre en forme de cercle. Là aussi, et là j'ai renié juste les petits coins du sable. Donc voilà, mais il est refait, je crois qu'il est juste un peu plus décalé vers la gauche. Je crois qu'il est un peu plus décalé vers la droite, mais sinon c'est le même. Alors nous sommes le 10 avril, demain c'est... Quand ça se fait qu'il y ait Kéké? C'est pas le samedi Kéké? Yo, ça roule! Aujourd'hui encore je suis venu donner un concert sur l'île. Pour l'instant j'ai envie de jouer ce qui me vient, laisser mes pattes courir sur le manche. Par contre je joue sur demande à partir de 18h, repasse à ce moment là, on pourra causer. Ah, mais peut-être parce que, comme demain... Peut-être que, comme demain, il y a le tournoi de pêche, il peut pas être là demain, donc du coup, il vient aujourd'hui. Parce que la dernière fois, c'était pas un vendredi qu'il est venu. C'est le samedi qu'il vient, normalement, Kéké. Voilà, et on a enfin ce pont qui a été supprimé. Donc, on finira ça tout à l'heure. Mais voilà, là, l'objectif... L'objectif a été rempli. Bon, bah, vous savez ce que ça veut dire. Ce soir, épisode Kéké, du coup. Mini épisode de Kéké avec les musiques. On ira parler aux habitants, bien sûr. Après, on ira voir aussi la réputation de l'île. Je pense que... elle va pas monter. Je pense qu'on va toujours être sur 3 étoiles. Alors, soyez les bienvenus. C'est quoi ça? C'est une lanterne? Je vois que tu t'intéresses à notre lampion. On en a pas une quantité illimitée, tu sais. Alors s'il te tente, tu devrais te décider rapidement. 780 clochettes, non? Merci. Non, mais ça ira. Alors, le cours du navet. Ah, 170. Dommage, on a perdu... on a perdu ce pari. Il était à combien hier matin? Hop, on était à 126.
Voilà, 126. Bon, bah c'est dommage, on a raté notre coup. Mais bon, tant pis. C'est pas très grave. Bon, ça nous aurait fait quand même 36 000 ans, 36 000 en plus. Mais tant pis. Ok, et vous avez quoi de beau en niveau papier peint, tout ça? Toujours pas de rose, je présume. Hein. C'est toujours anémone pour ces tulipes. Ouais. Oh, mur années 50, brun. Mur paravent. Du puzzle, sol ordinaire, d'accord. Ok. Non, ça ira, merci. Bon, bah, rien de bien ouf au niveau de ça. Et on va continuer à parler aux habitants. Enfin, continuer, on va commencer à parler aux habitants parce que c'est vrai que on n'a pas du tout fait. Il faut que je me fasse cette canne à pêche. Ah oui, c'est le phare qu'on avait commandé. Je suis trop con. Masque de sage. Ouais. Bien sûr, tout à fait. Ouais, mais ça, j'y ressemble pas à ça, mais bon. Bon, on peut placer le phare. Alors, où on peut le placer? J'entends un ballon. Il est pas encore arrivé, il arrive là. C'est un ballon pack, ok. Bon, pack dans 2 jours, hein. Mais demain, c'est le concours de pêche. Je pense que le phare, on va le foutre là, sur le rocher ici. Hein. Il y a eu quelques étoiles filantes chez moi hier aussi. Hop. Ah, j'ai eu la visite de Céleste du coup. Qui m'a donné le craft. Voilà. Magnifique phare. Qui m'a donné ce craft là. Je vous montre. Ça va être dans. Est-ce que ça va être dans les plans saisonniers? Je pense pas. Non. D'hiver peut-être? Tandis que midi sonne. Je sais pas où ça peut être. Équipement? Non. Papier peint, non. Décomura non plus. La logique voudrait que ce soit dans diverses, mais non. Ce serait dans mobilier? Je sais pas ce que c'est. Outils. Ah, c'est dans outils. Voilà. On m'a donné ça. Les pensées. Bon ben voilà, notre phare est placé, au moins. Théoriquement, on devrait avoir les fragments d'étoiles du coup qui sont venus s'échouer sur la plage, mais le truc c'est que je ne vois rien. On a quoi comme objectif du jour pour gagner un max de miles? Éclater des ballons. Ah putain, bah attends, on va le faire. On va le faire, même si ça nous donne un œuf de ses morts. On va le faire. Attends, ça va nous rapporter 1000 miles, donc ça va pas être dégueu. Il est où là actuellement le ballon? Il est là. Je l'attends si je fais ça? Attendez. Déjà, faut pas faire de la merde. Merci. Voilà. Et là, 1000 balles. Non. Pas comme ça, Michel. Oh là là. Incroyable. 1000 balles faciles, hein. On en a plein des Nook Miles, hein. J'arrive à en économiser pas mal. On est quasiment à 5000. À nouveau, et je me suis dit qu'on allait économiser pour acheter au final tous les crafts possibles. Donc je sais plus combien il faut. Et on va en profiter pour voir la note de l'île. Bon, à mon avis, je pense pas qu'elle ait bougé. Je pense pas que d'un coup, juste parce qu'on a rajouté le parc et le kaiju. Fait qu'on arrive à où il faut. Échanger des Nook Miles. Parce qu'on est bien d'accord que les trucs que j'achète. Le muret en briques, on l'a. Je suis pas sûr. Oui, tout ce qu'on achète n'est plus. Donc il faut 5, 8, 10, 12, 14, 15 et demi. 16.3, 17.1. Il faut 17 100 pour débloquer tous les crafts là. Donc je pense que ce sera quand même un objectif à faire. On peut voir si le muret en briques, on l'a. J'ai un doute. On a le mur en briques. Voyons voir. Le craft du muret en briques. Si, on l'a déjà. Ok, on l'a déjà. Bon, pas besoin de le racheter. Le
Nook Shopping, est-ce qu'on a des choses exceptionnelles là-dedans? Un dévidoir, un étendoir à linge. Pas grand-chose de ouf là-dedans, c'est toujours les mêmes trucs. Croix de kéké, par contre, ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Et au niveau du DAC, est-ce qu'on a des. On a combien de sous? 24 000. Donc. Là, histoire de toujours avoir un compte rond, je vais enlever maintenant à chaque fois. Voilà. Comme ça, on sait à combien on en est. Hop, je me remets. Et le reste, c'est bon. On n'a pas besoin de plus. Marie, où en est notre réputation? Après, on ira repartir voir le cours des navets. Bon, il va être à la baisse, hein, c'est sûr, hein. Mais au moins avoir tous les trucs possibles. Alors, la note actuelle est toujours de 3 étoiles. Ok. Alors, commentaire. Toutes les semaines, j'ai hâte que le dimanche arrive pour aller visiter votre île. Quand mes mères auront moins mal à son genou, j'irai bien l'emmener avec moi. Fin de citation. Par rapport à la précédente évaluation, les gens trouvent que les paysages de l'île ont plus de charme. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, n'est-ce pas? Alors continuez de décorer l'île pour que ces paysages soient toujours plus mémorables. Je pense que vous pourriez créer de jolis paysages en plaçant quelques clôtures ici ou là. Vous devriez essayer. Et voilà, la prochaine fois que vous voulez connaître la réputation de l'île, n'hésitez pas à me demander. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, c'est bon, merci. Alors le problème, c'est que on pourrait mettre des clôtures autour de chaque maison, de chaque habitant. Le truc, c'est que, rappelez-vous, Alphonse, je suis derrière sa maison. Il y a ma rivière qu'on va corriger. Alphonse qui n'est pas chez lui d'ailleurs. Est-ce qu'on a par hasard Bébert? Oui. On va parler aux personnes maintenant. En espérant, normalement on devrait avoir le 20e à dire bonjour à tout le monde. Tiens d'ailleurs, on va vérifier dans les Nook Mails plus. Ah non, on les a eu hier, je suis con. C'est vrai qu'on doit aller à 30 maintenant. Salut Bébert! Nekmao! Ah, fais attention, tu mets les pieds, ok? Je suis en train de me fabriquer une pompe à eau. Un des insectes qui vit sous le plancher m'a soufflé des instructions à l'oreille dans mon sommeil. Alors il faut que j'en fabrique une avant que j'oublie tout ça. Non, t'es sérieux? Tu sais déjà comment on fabrique une pompe à eau? Eh. Ça m'étonne pas de toi, t'en connais des trucs. Et moi je suis toujours à la traîne. Je veux que tout le monde sache comment fabriquer une pompe à eau. Alors j'ai dessiné un plan avec des instructions. Si tu rencontres quelqu'un qui a envie d'en fabriquer une, donne-lui ce plan. Et dis-lui que je m'excuse pour la graisse du biscuit au milieu. C'est pas grave, Bébert, tu es pardonné. Et oui, la pompe à eau, ça fait un long moment hein, d'ailleurs qu'on l'a appris, je crois. On l'a pas appris avec. Je crois que c'est le Nook Stop, non? Ah, il est pas là, jambon. Ok, très bien. Ah, ben il est là. Salut! Salut mon pote! C'est Nekmao, t'as l'air plein d'énergie, tout est bon. Quoi de beau? À fond les muscles! On m'a dit que créer un bon coup est un super exercice pour les abdos. Et aussi que mes voisins se plaignent. Effectivement. Mais bon, là t'es pas très. T'es pas loin de chez toi, donc c'est bon. Oui, on s'occupera de ça, vous inquiétez pas. Hein, de clarifier un petit peu cet endroit. Et de le rendre. Magnifique une fois de plus. Salut! Désolé de t'interrompre dans ton sport. Salut, tu vas bien? Encore une journée qu'on passe au paradis, mieux connu sous le nom de Luxine. Yes, ravi de voir que l'endroit vous plaît. Vous allez la marina. Non. Je suis content de te voir, Burp. Parle-moi. Tu es plutôt du genre à te fixer tes objectifs ou à te laisser porter? Moi, mon objectif est de me laisser porter. C'est beau comme phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Non, moi l'objectif c'est surtout me laisser porter par tout ça. D'ailleurs, je commence à avoir des idées de déco. Faut que ça mûrisse un petit peu plus dans la tête, mais il y a déjà des idées qui viennent. Et ça c'est plutôt cool. Ah, le 3 clochettes. M'appelle. Il y a déjà quelques petites idées qui viennent, il y a des idées qui sont toujours là, que je vous en avais parlé, hein, genre le quartier japonais ou faire un truc comme ça. Après, il y a beaucoup de monde qui mettent leur musée en hauteur avec des décorations de ouf. Je sais pas si on va faire ça. Je sais pas si on va mettre le musée en haut
en haut d'une falaise ou quoi que ce soit. Je n'ai pas la moindre idée, sincèrement. Je sais pas si je vais le faire. Je vais réfléchir. De toute façon, hein, voilà, le but du jeu est de là aussi, c'est réfléchir à ce qu'on veut faire. Chère personne mystérieuse, alors que je relisais un vieux livre sur les dinosaures, j'ai trouvé un plan de bricolage entre les pages. J'aurais pu garder le secret, mais je préfère le partager. Tu devrais essayer de fabriquer ça, Dorian le bricolo. Un boomerang, mais on l'a déjà pris. Ah, ça y est, on commence à arriver à un stade où on n'a plus rien à nous apprendre. Non, si, bien sûr. Bien sûr qu'on aura toujours des trucs à apprendre. Alors. On va aller voir en haut s'il y a des gens. Je pense qu'on va commencer à parler un petit peu de l'événement de demain. Donc demain, vous le savez, c'est le tournoi de pêche. Et on sait à peu près comment ça va fonctionner. On a eu des tweets à ce propos. Donc on sait comment ça se passe. En gros, le but du jeu, c'est... Alors, de ce que je sais, c'est qu'on aura 3 minutes pour choper un maximum de poissons. Donc n'importe quoi, hein. 3 minutes pour choper un max de poissons. Et que y aura un système de points, un truc comme ça. Alors je sais pas trop, on verra ça demain. Mais pour gagner des points, il faudra au moins pêcher 3 poissons en 3 minutes, ce qui est largement faisable. Si on veut retenter notre chance, ce sera payant, ça vaudra 500 clochettes. Mais l'avantage qu'on a, c'est que comme c'est Pollux qui gère l'événement, il va racheter des poissons beaucoup plus chers que chez Tmeli et Mello. Et donc du coup, c'est tout bénef parce que 500 clochettes à côté, ce sera rien. Si on pêche un bar, c'est 800 clochettes, hein. Donc on peut se faire de l'argent assez facilement aussi si on arrive à bien farmer toute la journée. Tu t'es essuyé les pieds avant d'entrer au moins? Nekmao, tu sais que la fête des œufs approche, pas vrai? C'est bien le 12 avril. Ah, je me revois tout jeune rhinocéros. À l'époque, la fête des œufs était bien différente. Ça consistait à canarder ses petits camarades avec des œufs. Que de souvenirs. Aujourd'hui, ça tourne autour du bricolage, c'est comme ça. La folie d'antan me manque un peu. Alors ça, Rhino, tu confonds entre Pâques et le persan. Voilà. Le persan qui m'a traumatisé à vie. Mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Les bleus, beaucoup moins. Effectivement. Ça peut aller très très loin des fois, ce genre de pratique. Mais bon. Surtout qu'on fête même pas ça 100 jours avant le bac. Donc. Voilà. Hein. Salut Ralph. Regardez qui voilà! C'est l'inspecteur Gadget, bien sûr. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Je sens que je vais passer la journée à chercher une réponse. Pauvre de vous. Pauvre de vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, si, bah si, les clôtures. Suivons le conseil de Marie. Développons notre île. Et mettons des clôtures. Et peut-être refaire le jardin des habitants. Je pense que une clôture en bois pour chacun suffira. Ah oui, il faut qu'on modifie ça. On va faire ça maintenant. On va utiliser le remodel. Je sais pas ce qu'on va en faire de cette rivière là. Honnêtement, j'en sais rien. Faut qu'on soit un nouveau pont aussi. Donc, permis cours d'eau. Hop. J'enlève tout ça, histoire que l'on puisse terminer correctement cette mini enceinte autour de notre maison. Tac. Voilà, c'est enfin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il faut quitter. Voilà. Là. Voilà, parfait. Ok. Du coup, maintenant, l'objectif, c'est de faire un pont là. Et un pont de l'autre côté. Qui sera... Alors de l'autre côté, je sais pas. Je sais pas si on peut faire un truc en diagonale, comme ça. Mais sinon, je le construirai ici. De toute façon, on va voir auprès de Tom Nook. Hein, on va pouvoir, de toute façon...
Les clochettes, on en a. Donc le prêt, ça attendra, je pense. Oula, pourquoi j'ai du freeze d'image d'un coup? Non, c'est bon. C'est revenu. Je croyais que le truc rebuguait. Est-ce qu'on est allé voir par chez Joe? Salut Abraham. On s'est pas vu aujourd'hui. Coucou, c'est moi Abraham. Il va peut-être se passer un truc sympa aujourd'hui. Maintenant par exemple. Waouh, je suis tout excité. Bah, il y a déjà Kiki qui chante, c'est déjà pas mal. Alors, on va continuer à creuser. Toujours cet objectif de faire une canne à pêche. Hein. Bien sûr, n'oublions pas, la canne à pêche, c'est sacré. Hop. Je sais toujours pas si d'ailleurs les. Si les. Les évaluations. Donc ce que Marie donne. Change en temps réel. S'il faut attendre le lendemain 5 heures. Faut faire un truc sympathique. C'est Joe. Hello, il y a des jours comme ça où paraître à la maison me suffit amplement. Mon chou, tu me connais, je ne colporte pas les rumeurs. Mais tu vas pas me croire, écoute un peu. Il se raconte que les choses se passent sur les îles qu'on peut visiter avec des tickets Miles Nook. Des œufs. Des œufs se mettraient à jaillir des rochers. Des œufs. Des rochers. Et attention, ça ne jaillirait pas qu'à moitié. Il y aurait de quoi s'en mettre plein le panier. Par ailleurs, on murmure dans les milieux autorisés que ce phénomène se produira un peu partout. Autrement dit, sur cette île aussi. À bon entendeur, mon œuf. Oui, mais ça, on le sait déjà. Mais par contre, ce que j'aimerais bien trouver, c'est une télévision. Elle a une télévision, je veux une télévision. Donc au pire, on peut toujours leur donner des meubles. On pourrait faire ça, on pourrait envoyer des lettres aux habitants. Tiens, même Marina est là. On verra qui y aura à 18h. Donc, ce soir, vous pourrez être sûr qu'il y aura un épisode de Kéké, une fois de plus. Et vous savez quoi, on va faire ça maintenant. On va leur filer des trucs. Alors normalement on peut, voilà, on peut sauter par dessus. Mais je préfère quand même qu'on mette un pont, ce sera plus sympathique. Alors, déjà, faisons des cadeaux. Alors, il faudrait, par exemple, je sais pas. Moi j'aimerais bien le jukebox de Rhino. Donc est-ce qu'on n'a pas des trucs type jukebox qui fassent à peu près la même taille? Je pense qu'un tourne-disque portable ça fait la même taille. Hein. Ça je pense que c'est trop grand. Tiens, tac. Pour Joe, moi je veux sa télévision. Donc il faudrait accrocher un truc au mur. Donc pourquoi pas ce bar mural. Et c'est tout ce que je veux. Pour l'instant. Donc on va voir si la stratégie toujours de leur donner des meubles à mettre chez eux suffisent pour que eux nous renvoient des meubles qu'ils ont de chez eux. Alors, normalement si je fais A je devrais sauter, non? Ouais. Je sais pas si c'est en appuyant sur A. On verra quelle musique de Kiki on jouera ce soir aussi. Je réfléchirai à ça. Tiens, hop. C'est pour moi ça. À moi. Allez hop, on va s'occuper de ça tout de suite, comme ça, ça fait un petit truc différent de ce qu'on fait d'habitude. Alors, pour 200 clochettes, je veux envoyer une carte, oui, tout à fait Maurice. Un habitant de l'île. On va commencer par Rhino. Hop. C'est pour Rhino, Okidoki, choisis une carte et écris ton message dessus. Alors est-ce qu'il n'y a pas un truc type musique? Non, il n'y a pas de truc type musique. C'est dommage. On va le faire sur une page arrachée. Et je vous retrouve dès que le message sera fait. Cher Rhino, voici un petit cadeau pour toi. Un tourne-disque portable. Tu me le changes contre ton magnifique jukebox? S'il te plaît. Petit cœur. Voilà, magnifique lettre pour Rhino. Et on va faire la même pour Joe. Hop. Vas-y, je veux envoyer pour Joe, s'il vous plaît. Oui. J'envoie une carte à un habitant de l'île. Et c'est qui? Joe.
Ok, Doudoki. Alors, on va envoyer un truc. Ça, parce que c'est très technologique. La télévision. Cher Joe, j'ai toujours rêvé d'avoir une télévision chez moi. Ça te dit d'échanger la tienne contre cet objet incroyable? Des hiboux, mec Mao. Farpé. C'est farpé. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Maurice. Et maintenant, chers amis, maintenant que tout ça est réglé, passons à l'aspect déco. Et faisons moult barrières para los habitantes. Ça a bien poussé ici, hein. On fera peut-être un tri des fleurs. Peut-être qu'à terme on remplacera les rouges par les roses. Maybe. Pour l'instant, c'est pas décidé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour des barrières? On n'a pas des barrières en bois classico? Ça va pas être dans mobilier, ce genre de. On a des petits poteaux qui peuvent être sympas. Mais on n'a pas, ouais, effectivement, les piquets comme je veux. C'est pas grave. Tant pis, on fera avec ça. Moi j'aime bien ceux-là, c'est 6 bois durs. C'est pas trop cher à payer. Après des clôtures là, ça fait un peu too much, non? On va faire des clôtures en rondin. Ça va toujours Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, UU? Je sais pas. T'as déjà posé les petons chez Bébert? C'est joli mais ça empeste le bouillon. Je sais pas combien il en engloutit par demi-heure, mais on sent ça à 10 mètres à la ronde. Oui. Si tu le dis. Nous on n'a pas l'odorama. Ou peut-être que vous l'avez, mais. Moi je l'ai pas. Alors, du bois dur. Pour faire des barrières. Après, il nous en restait des barrières. Ouais, mais c'est des barrières œufs qu'on avait craftées. Bon, bref, c'est pas grave. Il nous faut du bois dur. On n'a pas tant que ça. Hein. On va en faire 70. À mon avis, ça risque de ne pas être assez. Ou alors, on fait plusieurs types en fonction de l'endroit où ils sont. On peut faire cela aussi. Ça, c'est que bois dur. Ouais, c'est après s'il y avait du bambou. Donc. On va voir. Déjà, on va en faire un maximum. Au pire, on a plein d'arbres. Hein. On fera du bois avec et puis c'est tout. Hein. Ok. On va faire la canne à pêche aussi. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Il faut vraiment faire, ça. Si vous voulez réalisable. Hop. C'est parti. Et la canne à pêche en dur. Voilà, parfait. Arrêtez pour l'instant. Voilà, comme ça, on en a plus besoin. Et je peux le remettre. Ah, bah c'est bon, allez, on est tout seul. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, au travail, on va faire les barrières. Donde estas las barrières estanaki. Et on va en faire un max. Ok, c'est fait. Au passage, je vais virer ma hache. Et je vais m'en faire une en. Une rudimentaire, hein, histoire d'éviter de péter les arbres. Comme un connard. Pourquoi déjà pour ça? Après, oui, on vendra nos merdes, hein, bien sûr. C'est. Branches d'arbres, pierre, bois. Je pense qu'on a encore des branches d'arbres, non? Alors. Ouais, c'est ça. Hop. Pierre, 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 pierre. Présent. Pierre est toujours là, évidemment. Je vais ranger aussi les fragments d'étoiles. On en a pas besoin. Mince!
Ah, et ça compte pour un? Oh putain, j'avais pas. Quelle vie de merde que j'ai choisi. J'ai plus les WC. Triste. Je garde des cerises aussi en réserve parce que. Et non, j'ai plus les WC quelque part, je crois. Merde. Au pire, on peut toujours déplacer un arbre et le remettre après. Hein. Bref. Faisons une hache. Qui ne bête pas les arbres au travail. Qu'est-ce qu'il me manque? J'ai pas pris les pierres? Je les ai remis dans l'entrepôt? Je suis vraiment le roi des cons? Oui. Oui, c'est possible. C'est possible d'être le roi des cons comme ça. Putain de merde. Je me déteste. Tac. Voilà. Est-ce que là maintenant c'est bon? On peut partir à l'aventure. Faire des choses incroyables. Ah, j'espère que oui. J'entends une toboggan. Voilà. Allez hop, c'est parti. Et bricoler autre chose, bien évidemment, vous l'avez compris. L'âge de pierre. Et voilà. C'est parfait. Et là maintenant, on va pouvoir tranquillement récolter du bois. Faudrait que je fasse de la place dans cet inventaire. Ce qu'on va faire. Je vais vendre mes merdes et tout ça. Et puis après, on démarre vraiment le projet clôture. Ok, très bien, nous sommes de retour quelques minutes après. Et on va commencer le projet barrière. Alors, il faut quand même que les habitants puissent sortir de chez eux. Hein, donc, je sais pas à partir de quel moment on peut placer. Voilà, ici, d'accord. Moi aussi, ça va bien rendre. Ça va pas être trop dégueu, je pense. Alors, tac. Hop. On va quand même enlever genre 3. Donc 1, 2. Après on est là. Là doit y avoir 3 de distance, je pense. Ah mais j'ai bien fait de manger un fruit. Vu qu'il faudrait déplacer l'arbre là. On va faire ça sur le tour de la maison. Tout le tour. Je vais remettre l'arbre ici. Parfait. Voilà, histoire quand même de laisser un peu de place aux habitants pour qu'ils puissent sortir en toute sécurité. Est-ce qu'après... Non, je veux qu'il y ait quand même un espace autour de tous. Paf. Paf. Ah, ça fait un truc bizarre, ouais. Je sais pas pourquoi. Après, ça... C'est pas si dérangeant que ça en fait. Ça m'a l'air pas trop mal. Comme ça là si on veut mettre des fleurs, un truc, on va pouvoir. Par contre le seul truc qui est gênant, c'est que ça va tomber voilà, sur la plage. On aurait pu déplacer un tout petit peu sa maison. Après c'est pas grave. Parce que au pire... Si on fait ça, c'est grave. Je pense pas que ce soit si grave que ça, en vrai. En vrai, ça passe. Hein. En vrai, ça va. Ah, ça tombe bien. On a des fruits à côté. On peut pas genre utiliser les toilettes publiques pour aller chier un coup et plus avoir de... De fruits dans le corps. Merde. Ce serait bien. Regarde, je peux pas aller au WC. Au WC, me dire j'ai une envie. Apparemment non. Ça a pas très envie. Hop, donc je le décale. On va le foutre là. Non,
Y a pas d'endroit où planter ça par ici. Ah. Même pas ici? Ouh, je sais pas. Mais j'ai peur qu'ils soient un peu trop près. Au secours. Ouais, il va être trop près. Quoique, peut-être pas. Parce que. Le prochain, c'est à creuser là. Si. Et en plein milieu. Merde. C'est pas du tout là que je voulais le mettre, Michel. Donc si. En manger. Je vais manger deux, de toute façon. Comme ça, au moins, on est sûr. Mais ouais. Ouais, ouais. Et je vais faire ça pour tous les habitants après. Donc là, c'est pour voir si. Si ça marche bien sur un. Et je pense qu'on tracera des chemins aussi. Hein. Ça me paraît bien. Comment ça, y a pas d'endroit, mais juste en face de toi, trou du cul. Là. Merci. Parce que s'ils sont trop proches, bien sûr que ça veut pas. Faut au moins un trou entre chaque arbre. Pour être sûr que ça marche. Ah, c'est pas mal ça. Alors. On repart avec ça. Voilà, donc pour l'instant on leur fait un petit truc. C'est dommage que eux peuvent pas voilà, bricoler dehors, faire des choses sympathiques. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut traverser tout autour sans que ça gêne. Bon, il y a juste là où c'est un peu plus gênant, mais voilà. C'est pas mal, et en plus ça se marie bien avec son extérieur. Je trouve. Bon, la boutique Méli-Mélo, on s'en bat les couilles. Parce que bon, c'est pas une maison. Peut-être celle de Bébert. Est-ce que ça rendrait bien? Je pense que ça rendrait pas trop mal. Hop. Donc on n'oublie pas que ça, ce sera enlevé. Ici. Tac, moi jusque là. Ça va, Tony? Tout va bien? Tu as l'air de bien aller. Pour lui, tout à l'heure, bien aller. Alors, ce qui va être chiant, c'est que ça va être pour Alphonse là-bas. C'est pas là que je voulais le mettre. Qui, voilà, à la putain de rivière derrière. On déplacera. Le truc, c'est que. Faudrait faire un pont, mais faudrait déplacer un chouïa. Alors, bien sûr, on va. Se débarrasser de 3, on a dit 2, 3, pardon, n'importe quoi, 2, 3. Ah, bizarre, là ça a pas fait une espèce de jonction un peu chelou. Là ça a l'air d'être bon. À mon avis, on aura besoin de manger plus de fruits. On en avait en réserve, non? J'en mange un pour être à deux. Histoire d'être sûr. Parce que du coup, là. Il faudra placer. Non, pas ça. Ah, c'est vrai qu'on pourrait leur faire un petit terrain avec de la terre, ce genre de truc. Mais... Là, ça suffira. Ah, pas ici. Non, le truc c'est que je veux qu'on ait encore quand même l'opportunité de cueillir des fruits. Hein. Là ça passe devant, c'est pas très grave. Je pense que ce soit un arbre fruitier, je ne sais plus. Mais c'est opération barrière aujourd'hui. Hop, je me munis de ma petite pelle. Hop là. Et je vais la planter ici, le cerisier. Tac. Et on repart avec nos clôtures. Nos clôtures, pas nos clôtures. Raté. Voyons, Michel. Là.
trouve que ça rend pas trop mal. Hein. Après voilà, ils sont un peu enfermés, on les force un petit peu à... Voilà, à sortir du droit chemin. Mais c'est pas mal. Hein. Après voilà, je pense vraiment... j'espère qu'ils peuvent décorer leur truc. Alors le truc c'est que Jambon il est sur la plage et je crois qu'on peut rien placer sur la plage. Ah si on peut. Oh putain. Yes. Mais ça va pas être trop près de la plage justement si je fais une barrière. Est-ce qu'on peut passer derrière? On peut passer derrière. Donc si, c'est pas si dégueu que ça. Par contre faudra déplacer ça et ça. Je pense qu'on va le mettre tranquillement, genre le Zaboutan. On va le mettre là. Tac, et la machine à popcorn. On va la foutre là aussi. On la déplace. Belle machine à popcorn en tout cas. Et lui, le problème, c'est que ça va être derrière. Regardez. Vous voyez, je vais pas pouvoir ici. Donc on va juste mettre sur le côté. Pour lui. Pour Jambon, ça suffira. Parce que là, bon, c'est vrai qu'on peut pas faire mieux que ça. Alors, j'espère qu'on peut quand même passer partout. Donc là, il y aura pas. Là. Voilà, comme ça fait trop d'espace. Hop. Je pense que je suis bientôt à court de... Ah oui, mais on peut pas passer là. Ça veut dire que on est obligé de... Je vais pas pouvoir construire non plus. Il n'y aura pas pour, pour Jambon, ça va être trop compliqué sinon. Ça fait trop de... Trop de difficultés à ce niveau là. Donc ça va être compliqué, et puis il y a la plage quoi. C'est dommage parce que Jambon on l'avait mis sur la plage parce qu'on l'aimait beaucoup. Donc j'ai pas envie de le bouger de place. Alors toi mon coco ça va être rigolo aussi. Ouais, juste peut-être... pousser le vélo. Là c'est pas possible. Là c'est possible. On va pas être sur le vélo aussi. Non c'est bon. Alors le truc c'est les fleurs qui vont être problématiques. Toi ma cocotte, tu vas être déplacée. Hop. Je récupérerai du bois, vous inquiétez pas. Tac. Ça va être pas mal ça. Ah, je sais pas si j'aurai assez pour finir par contre. Est-ce que je vais avoir assez pour finir? Je sais pas. Hop. Ici, il faut aller jusque ou jusque là. Alors là, je vois rien avec cet arbre là, donc il va être déplacé. Merci bien. Ah, il y a les fleurs aussi ici. Je pense que là, on va être déplacé là. En plus, un pommier. Attends, le pommier, ce pommier là, il aura bougé de place 150 fois. Hop. Je voudrais peut-être le mixer à d'autres fleurs, hein, ceux-là, les anémones. Hop, je plante. Voilà, parfait. Et on continue, il nous reste 10 barrières, donc si, ce sera suffisant pour finir ce petit travaux. Hop. Je les trouve très jolies ces barrières en bois. En fait, ça se marie avec à peu près tout, toutes les couleurs. Hop, on va boucher là aussi. Je peux.
En même temps, lui, il est à côté de la rivière. Honnêtement, c'est cool. Hein. Vous inquiétez pas, je l'enferme pas. Hein. Voilà. Là, il va pouvoir tranquillement sortir. Et voilà, je bouche un peu le chemin pour eux. Hop. Et voilà. C'est pas mal. Il reste combien de barrières là? 4. Ouais. Ce sera clairement pas suffisant. Mais au moins, on en a fait autour des maisons. Alors, on les voit pas sur les maps. On en a fait autour de 4 maisons. Il en reste 6 donc. Attends, j'ai envie de lui. Non! Eh bien, t'as l'air de m'apprécier pour une raison qui m'échappe. Demain, c'est le grand jour. C'est la première fois qu'un événement spécial aura lieu sur notre île. J'espère qu'il se montrera à la hauteur de nos attentes. On verra. On verra comment ça se passe. Je vais le choper. Regarde. Tu me dis même pas bravo. Tu me dis même pas bravo. Ralph, je te déteste. T'as une chaise juste là, Denis, mais c'est pas grave. On apprécie chaleureusement. Alors, on a fait 4 maisons sur 10. On a utilisé 66 de bois. Voilà, donc là il nous reste 6 maisons à faire. Donc là on va plutôt s'occuper d'aller chercher du bois. Alors je pense que 4 stacks en vrai de bois dur nous suffiront. Il faut avoir de la chance, parce qu'évidemment, on a toujours les autres packs qui sont là. Eux, je crois que leur taux de spawn n'a pas été bougé du tout. Mais voilà, il faut du bois dur. Hein. Donc écoutez, moi je vais m'occuper de ça et on se retrouve après avec de nouvelles barrières. Ok, on se retrouve quelques minutes plus tard. Quelle longue minute plus tard. Ouais, je me suis fait piquer par des abeilles 53 000 fois, c'est pas très grave. Je voulais juste avant que... Donc j'ai récupéré 2 stacks de bois dur. Et j'ai rangé les autres bois que j'avais, hein, parce que je commençais à avoir la main par toi. Je veux juste voir les sœurs doigts de fée, parce que c'est vrai qu'on n'y est pas passé aujourd'hui, et que je voulais qu'on le fasse. Je remets bien le micro. Surtout parler à Cousette, bien sûr. La bro. Nous tenions une autre boutique avant de nous installer ici, celle que nos parents nous avaient léguée. Epitiquette s'est émancipée et nos amis se sont tous lancés dans de nouvelles aventures. Alors nous avons décidé de faire de même. Voilà comment nous sommes arrivés sur Luxine. Eh bien, nous en a pris. Je n'ai jamais regretté notre décision. Les voisins sont adorables. Cela dit, il m'arrive de repenser à notre ancienne boutique avec un peu de nostalgie. À moi aussi. Nous y avons passé de longues années et emmagasiné tant de bons souvenirs. On peut toujours y passer un jour, mais d'ici là, essayons de faire prospérer notre boutique actuelle. Tu as raison, Sorette. Poursuivons nos efforts dans la joie et la bonne humeur. Ma petite Layette, toujours si enthousiaste, c'est un bonheur de tous les instants. Bien sûr, je comprends ce qu'elle ressent. Notre ancienne boutique me manque aussi parfois. Mais je suis tellement heureuse ici. Nous sommes en famille sur cette île et c'est le plus important. Eh oui. Et un jour peut-être qu'on aura Ticket ou Maria. Je sais pas comment elle s'est appelée dans cette version du jeu. Je sais qu'elle est là. Hein. On l'a vu dans des trailers. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Pas grand chose de ouf. Tiens ben. On reste dans les compositeurs incroyables, regardez. Elvis Presley. Hier c'était Mozart. Aujourd'hui c'est Elvis. Il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Hein. Rien de fou à ce niveau-là. On va aller acheter des remèdes. Parce que bon aussi. C'est bon, à un moment faut arrêter les conneries. Hop, allons chercher un remède. Histoire de guérir de ces piqûres. Et après, on reprend bien sûr notre. Oh, elle a une boisson dans les mains. Coucou. Oh mon pouf chou! Ça doit faire atrocement mal, mon œuf.
Tu devrais faire plus attention, ce serait dommage d'abîmer un si joli visage. Oui. Mon beau petit visage ressemble à de la confiture. Je sais pas ce que je raconte, mais ça m'avait l'air... Ça m'avait l'air poétique. Bon, en tout cas, maintenant, on va pouvoir finir le boulot qu'on a commencé. L'unité, ça suffira. J'aimerais bien prendre juste un petit pétard, voir ce que ça fait. J'en veux qu'un seul. Salut. Non, rien du tout. C'est Michel. Merci à tous. Merci mille fois. 1 million. 1 million. Alors, regardons. Ça fait quoi le pétard? Est-ce que ça fait juste des confettis équipés? Et là? Paf! Ouais, ça fait des confettis, ok. C'est ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir. Non, je voulais pas le lâcher, putain. Je voulais l'avaler. Aïe, aïe, aïe. Bon. Retournons chez nous et allons fabriquer. Ils sont toujours là, Marina et Abraham. À écouter la répétition incroyable de Kéké. Je vous rappelle, hein, donc ce soir, épisode spécial, une fois de plus, le deuxième concert de Kéké. Voilà, j'arriverai à sauter, je le jure. Et donc on est reparti pour créer des barrières au travail. Et on va voir après, à la fin, une fois qu'on aura fini. Alors on espère que j'en ai assez. Ce qu'en pense Marie, est-ce que le nombre de clôtures... sera suffisant pour convenir à tous les besoins et peut-être passer à une quatrième étoile. Moi je trouve que ce serait fantastique. Alors, j'espère que j'en aurai fait assez. Normalement j'ai pris de quoi en faire 100 des barrières. Donc on en aura 104 à la fin dans notre inventaire. Mais je pense que ce sera largement suffisant pour faire ce dont on a besoin. On verra quand même. J'ai peur typiquement qu'il y a certaines personnes qui sont un peu trop près. D'obstacles. Et je pense que ça va gêner. Ça peut pouvoir gêner. Bon bref, je finis ça, on se retrouve juste après. D'ici une minute. Ok, nous avons terminé. On va pouvoir maintenant passer à la déco. S'il te plaît, saute. Merci. Et on va voir ce qu'on va en faire de cette rivière aussi. Alors je sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais on verra. J'ai pas vraiment envie de la supprimer entièrement. On va voir ce qu'on va faire avec. Là typiquement, vous voyez, tout ce qui est meubles. On va devoir déplacer. Encore la fontaine, ça va, elle fait que un de large. Là typiquement. Hop. Là ça passe. Là on rappelle, hop, on va faire un trou de 3. Alors ce qui est dommage, c'est que quand la barrière n'est pas finie et que il y en a encore dans l'inventaire, ça switch pas. C'est un peu dommage. C'est pas si grave que ça. Voilà, c'est justement là où je... Ah non, Ralph, va falloir que tu bouges. Ah, j'entends un ballon. Il est où? J'entends un ballon de l'autre côté pour l'instant. Ah non, il est là. C'est un truc de pack en plus. Osef un peu. Hop. Non. J'ai cru qu'elle allait m'en mettre. J'ai eu peur. Hop. Voilà, on arrive à avoir quelque chose de sympathique. Il va où, Ralph Ranchili? Est-ce que ça va pas être un peu trop petit? Si, parce qu'il faudrait que ça arrive là. Donc effectivement, on est un trop loin. Merde. C'est là que je veux le poser. Voilà. Non. Décidément.
Même les barrières à placer sont difficiles. Les contrôles, des fois, voilà. Sont un peu chiants. Mais bon, on s'y fait. Alors, le problème qu'on va avoir, c'est que cette pierre va être gênante. Va falloir la casser. Parce que le truc, c'est que cette pierre, si on veut l'exploiter, eh bien... elle va pas pouvoir nous lâcher toutes ses ressources. Alors là, si en plus... c'est la pierre à clochette... on n'est pas dans la merde. Alors on va quand même tenter. Mais bon. Faut pas espérer que ce soit celle-là. Ah! 14h. Allez, on va espérer que ce ne soit pas la pierre clochette. Et merde. Eh bien tant pis, on aura une somme très faible. C'est pas grave. On aurait eu un peu plus de 2000 balles. Alors, les mails Nook. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on parle aux voisins. Ah oui, on n'a pas vu quel était l'article phare. C'est pas grave. Alors, les fruits. Non, je voulais les manger. Comment ça se fait qu'on en a 7 là et 22 là? C'est pas logique. En manger un. Voilà. Merci. Bon, ça fait une maison de plus qui est clôturée. Plus que 5 du coup. Alors. Ah oui, il faut qu'on remette les meubles. Ça va être important ça à chaque fois de ne pas oublier de les remettre. Donc il y avait une table de jardin. Et une chaise. Voilà. Faudra peut-être mettre un truc dessus. Je sais pas si on a un truc. Genre on a... Attends, on a un puzzle pas fini dans la maison. Au pire, on peut le mettre là. Genre la personne voulait faire un puzzle tranquille en plein air. Ça fait de la déco aussi. Hein. Donc on peut peut-être mettre ça. Ok, on a peut-être un truc qui serait sympa à mettre sur une table. Est-ce qu'on a quelque chose qui serait sympathique? Comme ça, en même temps, je peux faire un peu de ménage dans l'inventaire. Hop, notamment au niveau des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on aurait qui serait bien sur une table? Un set de couture que l'on pourrait mettre. Un petit cactus, tiens. Why not a cactus? Le puzzle, il est là. Au pire, on en a... Il y a une autre table dehors. Il y a une table en bois. Peut-être avec un nécessaire de couture. Parce que c'est qui est à côté? C'est Terrine. Donc au pire, Terrine, on peut lui mettre le set de couture. Je pense que ça rendra bien pour elle. Voilà, on prend des petits goodies. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, sauter? Merci. C'est un peu compliqué hein, pour sauter. Hop, et mets-lui le nécessaire de couture. Voilà, parfait. Du coup, on va peut-être la tourner. Voilà, là c'est parfait. Voilà, ça fait sympathique. L'onsen qui est là. Voilà, c'est la table ici. C'est qui habite là? C'est Marina? Oui, c'est Marina. Tiens, toi tu aimes les puzzles. Et les cactus. D'ailleurs, le puzzle est mal placé parce que si du coup... Non mais, de toute façon... Tout est mal placé. Dans la mesure où si on veut faire correctement un truc, ça va pas le faire. Alors attendez, déjà on délimite le contour et puis après on voit. Hop. Hop. Donc déjà, cette fleur là va
va dégager. Qu'elle traverse le chemin. Au pire, on peut faire une symétrie. Et se dire que là, on va mettre une blanche. Tac. Et après, on fera pareil avec les autres qui sont là. Ok, continuons à faire le tour. Jusqu'à ce qu'on trouve une fleur récalcitrante. Et rassurez-vous, c'est dans pas longtemps. Hop. On agrandira peut-être en fonction des besoins. Enfin, c'est pas là que je voulais mettre. Et ici. Hop là. Et donc là, on fait la tournure. D'ailleurs, il n'y a pas tellement d'axe de symétrie là. C'est pas grave. C'est pas si gênant que ça. Le onsen va être un peu chiant par contre. Je vais le décaler. S'il te plaît, pousse-toi. Voilà. La petite source chaude. Et là, est-ce que ça passe? Ouais. Alors j'espère que ça place bien parce qu'avec ce putain d'arbre, je ne vois rien. Voilà. Ok. Et on continue de faire le tour du coup. Ah ça va, les fleurs elles sont pas toutes placées au mauvais endroit. Alors il y a juste du coup ces deux là que je vais devoir déplacer. Hop. Et celle-ci aussi. Hop là. Et là on peut remettre nos clôtures. Et continuer. Hop. C'est incroyable. Voilà, parfait. Et on continue. Ad vita aeternam. Hop. Et voilà. Parfait. Donc non, effectivement, c'est pas très symétrique. Mais bon. C'est pas très grave, au pire, on met une rouge là. C'est pas grave, on va laisser comme ça, c'est très bien aussi. Hop, pied de tulipe blanche. Et limite la table. Où est-ce qu'on pourrait la mettre? Ici, au pire, il partage avec. De toute façon, l'arbre qui est là, va falloir le déplacer. Vu qu'il va gêner. Manger un. Bon enfin bref, vous avez compris l'idée je pense de la chose. Mais on continue quand même ensemble à faire ça. Parce que je trouve ça cool des fois de vous montrer les choses que je fais. Du coup je pense qu'avant même de mettre la table on va faire cette maison là. Hop, et on va voir. Non. Hop, donc celle-là on laisse. Voilà, et celle-là on laisse aussi. Donc là, on en a deux à placer avant de placer les autres. Tac. Comme ça en même temps, voilà, ça fait petit épisode déco. Là on en a plus, à mon avis j'aurais pas assez, il reste encore 3 maisons. Ça va être compliqué de gérer ça. Mince, c'est pas ici. Je sais pas si la table rentre entre les deux, je suis pas sûr. On va la décaler, hein. On la mettra au-dessus. Le ballon, c'est un ballon, où est le ballon? Ballon de Pâques, Osef. Normalement, il n'y a rien qui devrait gêner.
Je suis même pas sûr que le mini-arbre qui est là gênera. On va voir, de toute façon. C'est bien, on dirait qu'ils ont un jardin à eux deux en commun. Du coup, c'est bien. Hop, on va faire l'autre côté. Normalement, il devrait pas gêner celui-là. Ouais, cool. Ça fait moins de boulot. Et ce sera tout aussi beau. Alors. Mais non. Voilà. Non, franchement, je trouve que c'est, ça rend bien. Faudrait peut-être mettre des trucs sur cette plage là, ici, qui est un peu vide. Mais après, non, au final, ça rend bien. Alors. Est-ce que tout passe? Tout passe. Voilà, parfait. Ok, il nous reste combien de barrières? 29, ouais. Ça va clairement pas être suffisant. Et je pense pas que la table tronc rentre ici. Tu vois? Ouais, y a pas assez de place. Ok, donc on va le mettre juste au-dessus. On va le mettre là. Table tronc. Avec les bancs qui vont bien. Voilà. Il est pas un peu loin? N'assieds pas dessus, je veux voir s'il est loin ou pas. Ah putain. C'est très casse-couille. C'est très casse-couille. Non, c'est bon. Bien placé. Je pense que celui-là sera bien placé aussi. Un peu trop loin, non? Bon, on peut plus passer là, mais c'est pas grave. Si, attends. On va faire ça. 7 de cactus. Voilà, puzzle en cours. Voilà, rien n'empêche de mettre un petit cactus ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ça fait de la déco comme ça aussi. Ah mince. Allez, tu peux le faire. J'aimerais bien un truc genre une glacière, des sandwichs, des trucs comme ça. Ouais, voilà. Il reste ces trois maisons là à faire. Et je pense pas qu'on aura assez de barrières. Bon. Tant pis. Abraham, il est un peu... Ouais, il est près du bord, mais... Mais en fait, non, il y aura assez de barrières. Alors, ça se trouve, il y aura assez de barrières seulement pour lui. Le truc, c'est qu'il a quand même un arbre qui va le gêner s'il sort. Donc, attendez, je vais le bouger. Je vais pas les lâcher. À chaque fois, je fais l'erreur. Pourquoi c'est pas la première option, manger? La première option, à chaque fois, c'est lâcher. C'est un peu chiant. Hop. Ah. Au secours. Voilà, c'est ça que je veux. Et on va le déplacer un peu à côté. Ici, c'est très très bien. Voilà. Et là, on va pouvoir travailler. Alors, je fais ça tranquillement. Voilà. Donc là, il a ces fameux 3 d'écart pour passer. Si ça voulait bien le ramasser. Et donc là, je pense que c'est la dernière maison qu'on va faire aujourd'hui. Si je trouve, je descends toutes des îles mystères et puis avec, je ferai du bois et je finirai sûrement les clôtures. Je veux voir si la vie de Marie aura changé. Là, cet arbre-là aussi, il faut le bouger. Ça tombe bien, c'est la dernière cerise. Je vais la manger, bordel. Au secours, sauvez-moi. Ok. On s'équipe de l'appel. Et on bouge. Aïe aïe aïe. Allez. Bouge ça ici. Hop. Faudrait qu'on fasse un comparatif de la tronche de l'île avant, après. Enfin, en fonction des jours. Une grille d'événements, en quelque sorte.
fait son sport hein, à l'heure, Rino. Je sais pas ce qu'il fait. Il me reste combien de barrières là? 14. Ouais, ça va être suffisant pour terminer théoriquement. Et là, ça rend bien autant plus avec sa maison parce que c'est un mini chalet en hein, quelque sorte. Du coup, c'est cool. Ça rend bien. Je peux le placer là? La question c'est est-ce qu'il va y avoir suffisamment? J'ai peur qu'il en manque. Non, ça va 9, c'est bon. 8. Je ferai des routes aussi. À terme. Là pour l'instant, on s'occupe juste de ça. Voilà, il reste 2 maisons à faire et il nous reste 4 en rondin. Bon, ben voilà, c'est parfait. Alors je pense qu'on utilise du coup 25 à chaque fois par maison. Donc étant donné qu'il en reste 2, il faudrait faire 50 barrières. Donc pour ça, il faudrait 30 morceaux de bois. Ah oui, j'ai cru qu'on était bloqué. Alors, qu'est-ce qu'en pense Marie du coup, maintenant? Parce que c'est son avis qui compte. Alors, Marie. S'il te plaît. C'est très compliqué de s'asseoir toujours. Alors, la réputation, où en est-on? Toujours 3 étoiles. Alors. Cette île se développe super bien, comme un grand arbre qu'on ferait grandir avec amour. Je la visiterai souvent pour appliquer la recette de son succès à ma petite communauté. Fin de citation. Une remarque qui revient souvent est que l'île manque de paysages mémorables. Je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de remédier à ce problème. Décorer de l'île de fond en comble, ou plutôt de falaises en plage. Notre île a une superficie non négligeable. Il faudra donc de nombreux objets pour la décorer comme il se doit. Avec Nook Shopping, vous pourrez commander des articles que vous avez déjà achetés. Voilà qui devrait vous être utile si vous souhaitez placer plusieurs exemplaires de votre objet préféré. Bien sûr, il ne faut pas non plus négliger la variété. Mais j'ai pleinement confiance en votre sens de l'esthétique. Et voilà. La prochaine fois que vous voulez connaître la réputation de l'île, n'hésitez pas à me demander. Bon, au moins, il n'y a plus d'histoire de barrière. Et comme ça, on est bon. Eh bien, merci Marie. Merci pour tous ces joyeux conseils. On va arrêter l'épisode pour aujourd'hui. On se retrouvera ce soir. Nana. On se retrouvera ce soir pour le concert exclusif de Keke. D'ici là, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne après-midi et je vous donne rendez-vous ce soir. Des bisous, ciao!